Là, il n'y a pas d'usage que les psys parlent un peu de leur vie, mais toi, tu n'es pas un psy comme tout le monde, tu es mieux. Voilà, et tu n'as pas peur. Et donc, quand tu as eu des enfants, parce que tu as des enfants, tu as même des beaux enfants, donc tu sais de quoi tu parles, as-tu arrêté de travailler? Alors, ça s'est passé comment? Parce qu'on imagine mal un psy avec un bébé dans les bras. Bah si. Pour les trois, j'ai fait la même chose, c'est-à-dire que j'ai aménagé ma salle d'attente, j'ai condamné en salle d'attente et qui est devenue la chambre du bébé. Et au début, je prenais peu de clients et progressivement, j'en ai pris de plus en plus et je faisais une pause toutes les 2h30, 3h. Et puis si le dernier Victor, si Victor se mettait à pleurer en milieu de séance, et ben j'allais le chercher et je finissais ma séance avec mon fils sur les genoux. Et à ce moment-là, il arrêtait de pleurer. Et je pense que ça a même dû m'arriver d'allaiter devant certains clients ou clientes parce que la vie ne s'arrête pas quand on allaite. Moi, j'ai toujours ça en tête. L'Afrique, l'Asie, où les femmes, elles ne s'arrêtent pas d'aller au champ quand elles ont un bébé. Elles le mettent dans leur dos et puis si au bout du champ de riz, il veut allaiter, ben, elles arrêtent, elles l'allaitent. Et puis après, elles le remettent dans le dos et elles continuent. Donc il y a des leçons à prendre aussi d'autres civilisations. Voilà, que la vie ne s'arrête pas quand on a un enfant. Et c'était très intéressant en séance, il y a certains. Voilà, ça a créé des réactions, ça. Voilà, mais ça fait partie de la vie. Et qu'il y ait de la vie qui apparaisse en séance, pour moi, ce n'est pas un problème. Et il était hors de question que n'allaite pas mes enfants et que je ne sois pas en lien avec eux dans leur petite enfance. Et il était aussi hors de question que j'arrête de bosser. Je te remercie. Donc j'ai trouvé, et ceux à qui ça ne convenait pas, crois que j'en ai eu très peu, peut-être au début, et bien ils allaient voir quelqu'un d'autre. Ben oui. Voilà. Merci, Isabelle.